Hello, hello, mes Vicky Love, j'espère que vous allez bien. Ah, j'ai dit que, vous voyez, non, sur la photo là, Emma Loès, la jolie dame, notre star. Emma Loès nous parle de sa vie de couple, s'il vous plaît. Hein? Emma dit que dans un direct où elle parle avec ses fans, elle dit elle est épanouie seule. Que ça fait 7 ans, elle vivait avec un homme, elle vivait. Donc je suppose que c'était le papa de son fils, Kobe. Que là maintenant, en fait, elle n'est pas prête à se remettre dans une relation. Qu'elle est épanouie toute seule. Franchement. En tout cas, c'est son avis. Hein. Mais moi, je me dis, en fait, on peut avoir tout ce qu'on veut du monde, tout ce qu'on veut, l'or du monde, tout l'argent qu'on veut. Mais n'oublions pas que quand tu es couché le soir, il y a un homme à côté de toi là. C'est doux, en fait. C'est joli à voir. C'est doux. C'est doux. Dieu a créé l'homme et la femme. Il a bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, mais bon, si notre diva dit qu'elle est épanouie toute seule, qui sommes-nous pour venir juger? Qui sommes-nous pour venir parler dans ça? En tout cas, écoutez la vidéo qui va suivre jusqu'à la fin. Parce que moi-même là, je suis dépassée. Écoutez la vidéo, c'est du loup. Ouverte, et elle a notamment parlé de sa vie de couple. Sorti. Sorti de sa vie de couple. On regarde ex un extrait. Oh, Ozone, reste tranquille là-haut. Que tu vas être heureuse. Claire. Franchement, ça, il va falloir que vous puissiez vous mettre ça dans la tête. Il ne faudrait pas envoyer la mauvaise humeur aussi à quelqu'un tout le temps, tout ça. Oui. Moi, je suis épanouie toute seule. J'adore ma solitude, ça faut que je le précise. Donc, souvent même, je suis. Ouais, je suis en couple et tout, mais j'ai pas envie de parler à mon chéri, j'ai pas envie de le voir. J'ai envie d'être seule, ça m'arrive. Voilà, moi. Donc, j'estime que, voilà, j'ai besoin de temps pour pouvoir accepter l'idée qui fait que je me réveille encore avec un homme chaque matin et que j'aille dans la douche et puis dans les toilettes et que je nettoie les toilettes et que je tire et que je vois traîner dans le lavabo et que je vois ses habits traîner par terre. Faut que je me réhabitue à ça. J'ai déconnecté avec ça depuis, voilà, depuis combien, quoi, 7 ans. Je n'ai plus vécu avec un homme, voilà. Mais être en couple avec un gars, c'est différent, il vit pas avec toi. Donc ouais, vous voyez, vous voyagez, voilà, c'est ça. Donc le truc, c'est que ne pensez pas que vivre avec un homme, faire sa vie avec un homme, se marier là, c'est toujours la rigolade. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Moi, je peux dire ça parce que j'ai vécu avec un homme. Ah. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas. C'est pour ça qu'ils sont en train d'aller dans tous les sens. Voilà, parce que limite, c'est le mariage même en soi, c'est pas ça le problème. C'est que vivre même déjà avec un homme, c'est déjà partager son quotidien et tout. C'est un peu comme le mariage finalement, quoi. Voilà. Claire. Donc, c'est ça. Le truc, c'est que voilà, j'ai pas encore envie de recommencer. Emma Louès, Emma Lolo, ça fait plaisir de la revoir. Je l'aime bien, Emma. On va certainement la recevoir en papouasienne, c'est Ouais, clair. ouais, ouais, Voilà. ouais. Alors, Emma Louès dit.